Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Far Cry 4, mais dans le menu pause vidéo, on dira attendez la menu pause, tout simplement parce que j'ai dû faire une connerie, une de plus, on va dire, et j'ai lancé le jeu, jusqu'à là rien d'anormal. Ça, il y avait des tirs autour de moi, et j'ai malencontreusement appuyé sur X au moment où il y avait un PNJ qui passait. Ce qui n'a pas arrangé les choses en soi, de ce fait j'ai lancé une mission sans faire exprès. Bon, bien sûr, j'ai lancé le jeu dans l'optique de tourner, hein, pas de. Enfin, en fait, je voulais regarder un petit peu les fameux trucs. Le côté RPG, quoi. Pour les niveaux, etc. Et bah finalement, j'aurais pas pu voir. Bref, donc du coup, on se retrouve en plein feu de l'action finalement. Je sais pas ce que la femme me dit, mais j'appuie sur B. Préparez-vous, go! Ils les ont pris, je ne comprends pas. Ils les forcent à travailler, je crois. Il faut les sauver, s'il vous plaît. Je vais les ramener. Ok, alors, ok, faut les sauver, mais tu t'assois, genre, ok. Alors, je vais être honnête, je sais absolument pas où on est. Je sais absolument pas où on est. Et on est où là? Oui, on est au. Oh. What? What? Oui, on est là-bas. Oui, forcément. Oui, c'est bon. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné. J'admets que. Voilà. Terminer les événements de karma. Vous faites tourner. Voilà. Augmenter le niveau de karma. Atteignez le niveau de karma. Putain, c'est quoi ce karma? Ok. Alors, sauvez au moins deux otages. Donc, ça se passe là-bas. Ok, allez, on fonce. Alors, bah, le temps qu'on. On va monter déjà là-dedans. J'espère qu'il va quand même. Merci. Le temps qu'on aille jusqu'à là-bas, j'aimerais vous dire merci parce que j'ai reçu de précieux conseils pour, bah, pour le jeu. Le fait est que, comme je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas. Ah non, ça se passe. Mais ça se passe où, putain? Et qu'est-ce que je fais? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Bref, j'ai reçu de gentils conseils qui m'ont aidé à. Ah oui, d'accord, là en fait c'est juste des. On s'en fout pas, mais. On va. Oh putain, j'arrive tellement pas à conduire, c'est une tristesse. Une tristesse monumentale. Je reviens à ce que je disais. Si j'arrive à reprendre la route, c'est dur de commencer un épisode comme ça. Oui, merci pour les conseils. Je les ai pas tous retenus, je les ai en tout cas, enfin pas sous les yeux, mais on va dire à proximité, pour pouvoir les consulter si besoin. Et j'en ai mémorisé quelques-uns et j'essaierai de les appliquer au mieux. Parce que bah déjà ça m'a l'air pertinent, et dans la mesure où je pense que ça vient de personnes qui ont déjà fait le jeu, ou du moins le 3, ou le 2, ou le 1, bref, c'est déjà plus pertinent que ma propre expérience. Alors, on sort. Déjà, on m'a conseillé d'être. Ok, fallait pas sortir. Tant pis, on continue à pied. On m'a conseillé d'être discret. Alors on va se jouer à la Watch Dogs. Alors c'est vrai que j'ai pas fait Watch Dogs en vidéo. J'ai fait quelques. On peut passer par là? Je prends ça pour un nom. J'ai pas fait Watch Dogs, mais bon, on connaît Watch Dogs, c'est de l'infiltration. C'est pas Splinter Cell, mais c'est de l'infiltration. Est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on a un petit visu? C'est bon. Ah oui, d'accord. Hein? C'est pas de là où on vient? Non, c'est bon. Là, on va rentrer dans le périmètre. Pourquoi il y a tous ces points bleus? C'est quoi ces points bleus? C'est des nénuphars. Allez, chope le nénuphar. Bleu, d'accord, les feuilles vertes, mais non, je sais que ça sert à faire oula, ça sert à faire des... c'est quoi cette merde, on dirait un taureau, je vais pas trop m'en approcher. Ça sert à faire des popos de soins, on va dire ça comme ça, hein. Okay. Alors les plantes permettent de fond, oui, mais ça je m'en fous, enfin non, je m'en fous pas, mais je sais pas si être discret ça veut dire les tuer de loin. Il m'a vu ou il m'a pas vu? Je crois qu'il m'a pas vu. Je crois qu'il m'a pas vu. Mais si tu tires sur personne en soi. Y'a rien. Pourtant, je suis sûr qu'on n'est pas tout seul. Merde! Oh, voilà, alors j'ai fait absolument pas ce qu'il fallait que je ne fasse. Waouh! Je fais des phrases qui ont absolument aucun sens. Je n'ai absolument pas fait ce qu'il fallait que je fasse. Bah on va se débrouiller autrement. Autrement dit. Ah, il m'a pas capté.
Deux otages doivent survivre. Ok. Ça veut dire quoi, exécution? Il s'est passé quoi? Oui, oui, donc là, d'où l'intérêt de d'être discret. D'accord, le conseil se légitimise, on va dire. Sauvez-moi des otages, ça, on a compris. Alors, est-ce que je peux genre te tuer d'ici? Si je te place bien une balle. Non, non, non. Oh, le con. Putain, mais genre, il me repère de là, quoi. S'il te plaît, avocat. Oh, d'accord. Ah oui, d'accord. Ok, c'était les otages. Oh, les petits cristaux verts qui ressemblaient au machin qui est sur la gueule des Sims. D'accord. Ok, bon, ça fait deux fois que je meurs. Enfin, que je meurs, que je... Ok, donc on va vraiment se la jouer à la Splinter Cell, tout simplement. Juste comment... Ok, c'est bien comme ça qu'on tue quelqu'un. Enfin, que comme ça qu'on tue quelqu'un. On peut tuer quelqu'un d'une autre manière, hein, bien sûr. Mais... Enfin, dans le jeu. Hein. Parce que appuyer sur un bouton en soi, ça tue pas vraiment du monde. On va passer par là. On va ouvrir ça. Film 3D. Oh con. Ah merde. Putain, connard. Merde. Alors ça, c'est moi qui essaie de viser dans la précipitation. Dites pas merci, c'est gratuit. Hein. Il est où le dernier? Il est où le dernier? Et merde, il est où le dernier? Enfoiré. Ah d'accord, il fallait que tu recharges. Bon. Alors, j'avoue ne pas avoir compris ce qui s'est passé. Lui, il était en train de faire des choses visiblement pas très catholiques avec ce cochon des... Ce cochon qui a une drôle de texture, je dois bien avouer. Bref, on va les dépouiller. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un quoi? Un shang? D'accord. Ah oui, on va peut-être les détacher aussi. Détache. Oui, bon, je me soigne. Ok, toi je te fouille. Comment ça, portefeuille presque plein? Genre le portefeuille... pas chez moi. Le portefeuille, ça, c'est pas plein. C'est jamais plein. J'en ai pas tué un par ici. Ah, par ici. Qu'est-ce que t'as à me donner, toi? Un garrot. D'accord. T'as rien à me donner, toi? Y'a quoi par là-bas? Ah, genre, c'est vachement loin, là. D'accord. Y'a pas moyen de faire un déplacement rapide? C'est où? Ok, donc on est là. Ah, je sais quoi. Lancez-vous dans une mission pour Urk. Vous recevrez une grande quantité de roupies. Ok. Et là, c'est quoi? Mission santé d'or. Lancez-vous dans une commission de campagne. Ok, bah ça m'intéresse. Marqueur. Je peux pas voyager. Et genre, là, je peux. Je peux pas voyager rapidement, c'est ça. D'accord. Bon, on a le marqueur. Il nous faudrait une voiture. Ou un quad. Ah, super. J'ai tellement de skills au quad. Enfin, bref, on va pas se mentir. De manière générale, dans la conduite dans ce jeu, j'ai vraiment des capacités absolument hors normes. Oh non, 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 s'il te plaît. S'il te plaît, t'avais dit que. Oh la pute. Oh. Parce que finalement c'est pas si loin. On va descendre en mode je sais pas. En mode on descend et c'est tout. Alors comment on descend? Agrippé, mais comment ça agrippé? Je pense. Ah oui, d'accord. Et là, tu, de l'autre côté, tu ne peux rien faire. C'est assez subtil quand même comme ouais, ça l'est en tout cas. Et genre je peux pas genre descendre doucement comme ça. Regardez, c'est fabuleux là, la physique de ce jeu. La Bible. Oh, j'ai trouvé la Bible. Oh, génial. Je vais pouvoir avoir un petit peu de lecture avant de m'endormir. Oula, alors là. C'est passé. D'accord. On va se soigner. Oh pardon, j'ai tapé un petit peu là. La boîte qui sert à tenir mon micro. Alors, 100 mètres, c'est pas trop loin. Ça va, bon, on peut y aller à pied finalement. Je pensais vraiment que c'était plus loin que ça. Oh, il y a une feuille verte par ici. C'est ça, c'est pas ça. C'est ça. Ah, oh, bah oui, bah c'est vert. Et c'est glauque. J'aime bien. Ah, oh, je vous ai pas montré les arbres finalement la dernière fois. Faudrait que j'en trouve un, genre. Allez, lui.
Ok. Il m'a fait passer pour un con. Lui, lui, il a l'air fin. Tu bouges pas. Putain, mais il bouge pas les arbres que je veux vous montrer. Oh, oh, putain. Doucement. Non, non, non. Doucement. Doucement. Ça va, c'était pas trop compliqué. Et là, tu sautes. Et on entre dans la maison. Non. Alors. Non, il faut pas mieux. Si j'étais toi, je n'entrerais pas maintenant. Pourquoi est-ce qu'ils se disputent? Les soldats de Paganmin s'apprêtent à attaquer un de nos camps. Amita a dit qu'on doit d'abord récupérer les informations rassemblées par nos soldats. Sabal pense que c'est plus important de sauver nos hommes. Et ça fait longtemps que ça dure? Oh, suffisamment. C'est la même chose à chaque fois. Ils restent campés sur leur position. Bon. Je voudrais pas te déranger. Mais tu es Ejjege, c'est ça? Oh, merci de nous venir en aide. Tout le monde apprécie ce que tu fais ici. C'est le sentier d'or qui est venu me sauver, mais honnêtement, je suis juste... juste ici pour disperser les cendres de ma mère. Peut-être. Mais maintenant, tu vois ce que Pagan a fait à ce pays. Tu es le fils de Mohan Gale. Que tu le veuilles ou non, le Kirat est ton pays. Et tes choix vont avoir un impact. On a besoin de quelqu'un pour sortir de cette impasse entre Amita et Sabal. Ne l'oublie pas quand tu entreras. Des vies sont en jeu. Si on ne fait rien, des gens mourront. C'est la guerre qui est en jeu. Il nous faut ces infos. Souviens-toi de ce que tu disais pour Darpan. On a besoin de ces soldats sur le front. Si j'avais dû choisir entre Darpan ou les infos, j'aurais choisi les infos. Alors, la mission équipe de pouvoir sont critiques pour le sens énorme, mais Amita et Sabal ont des objectifs différents. Parlez aux deux leaders et choisissez celui que vous soutiendrez, votre choix de... Bon, putain... vous recréerez de nouveaux objectifs pour les missions à venir, décidez un nouveau leader, sans dire que la leader de la guerre aura du pouvoir. Ok, alors là, genre, c'est du gros parti pris, quoi. C'est du gros parti pris. C'est pas cool. Je peux pas sortir, genre... Ok, je suis obligé de passer par là. Sors. Ok, je sais absolument pas qui prendre. Je sais... Alors, je pense que je vais te prendre toi parce que t'es mignonne. Ou toi parce que t'es... sympa. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je vais essayer la mission. Moi, je vais prendre ça. Bah voilà. Allez. Hey, ciao. 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 Ok, j'arrête. Allez, on va te prendre toi. Franchement, j'ai pas de... Voilà, je suis pas suffisamment impliqué dans la vie de cette personne ou de cette personne pour pouvoir choisir en toute âme et conscience avec un avis pondéré, réfléchi et mûrement choisi. Donc on va voir la petite mignonne là. Alors... Amita, je peux t'avoir ces infos. Ok. On a entendu parler d'une grosse attaque, et puis il y a eu Banapur, mais ça cache quelque chose. Je pense qu'un assaut est toujours prévu, et ces infos peuvent le confirmer. Depuis la dernière attaque, on n'a pas eu de nouvelles du camp. Sois prudent, ok? D'accord, mission équilibre du pouvoir Amita veut vous récupérer les renseignements. Dans un camp situé, ok, si vous activez la mission, vous rejetez celle de Sabal. Ah! Putain, il veut quoi? Allez, allez, dis-moi ce que tu veux. Tell me what you want. Qu'est-ce que je peux faire? Un de nos camps va bientôt se faire attaquer. Je sais pas quand, mais ça pourrait être grave. Il faut que je leur envoie tous les renforts possibles. Alors si tu veux m'aider, va là-bas, mon frère. Ok, bah c'est triste, mais je vais prendre sa balle, parce que ça me paraît plus... voilà. L'appel de la rébellion. Mais je t'aime bien, hein. Fais-moi un bisou.
fais un bisou. Fais un bisou. Allez, c'est quoi la touche bisou? Bon, allez, on y va. Enfin, on y va, je sais pas où on va. Enfin, on va là-haut. C'est loin. Ok, 1 km. On va prendre une voiture. Oh, la tristesse, on va prendre une voiture. Il y en a plein. Oh putain, mais elles sont moches, ces voitures, en plus. Allez, monte. Alors, par où on passe? On va passer par là. Putain, c'est un fou, lui. D'accord. C'est crédible quand je dis ça ou... Non, d'accord. C'est gentil parce qu'en plus, on m'a dit, ouais, quand tu conduis dans Far Cry, bah, c'est à ce moment-là qu'on découvre la vraie tristesse. Bah, merci. Et c'est légitime. Le pire, c'est que je peux pas dire le contraire. C'est tellement vrai. Mais c'est vraiment dur. Enfin, c'est dur quand on n'a pas l'habitude, quoi. Et j'ai pas l'habitude. Ce qui explique pourquoi c'est dur. Pourquoi la carte est en gros bug comme ça? Kefa, la carte. Kefa, la carte. Bon, bah, on va couper à travers champ. Hein, vu que la carte a pas l'air décidée à nous montrer où on doit aller. J'ai du mal avec la manette. Enfin, avec la manette. Ah, c'est bon, on est dans la bonne direction. Je crois que j'ai tué un animal. C'est parfait. Waouh. Je suis allé tellement fort qu'il y a de l'arc qui est rentré dans la voiture. On va passer par là, je le sens bien. Je pense que c'est par là même. Ouais. Non, c'est par là. Oui, je sais, il y avait... Mais je vous jure. Putain, mais où c'est que je suis en train de me fourrer, quoi, comme... Ceci est un message du ministère de la communication. Ok, j'ai tué un ennemi comme ça. Ah oui, ça attaque. Aïe, ça attaque par là-bas. Ça se voit, il y a du feu. Et nécessairement, là où il y a du feu, ça veut dire que le mal est présent. Est-ce que je peux faire plus de 5 mètres sans me manger un putain d'arbre, s'il vous plaît? Merci. Ça fait 6. Jetons de mercenaires. Les mercenaires sont des rebelles qui combattent à vos côtés. Embauchez-les avec des jetons. Normal. Dépensez vos jetons en utilisant machin. Ordonnez ou attendez. Ok, d'accord. Bon. Bah, allons-y. Allons-y. On est arrivé là? Non. Putain, ils me font peur, eux. Je me permets de partir parce que je peux pas m'occuper de vous dans l'instant. Dans l'instant, je ne peux point. Je me suis fait repérer. Bah oui, je suis passé au milieu du village aussi. Je pense que niveau discrétion, on a déjà fait mieux. Voilà. On n'est pas loin, on n'est pas loin. Là, on va faire le saut de la foi. On se dirige, qui c'est, comment ça? On se dirige vers vous. Là, on va prendre un petit tremplin. C'était pas du tout ce que je comptais faire. Ça va, elle avance, elle avance. Elle avance. J'ai compris. On va y aller à pied. Et en plus, je crois que c'était par là-haut. Et j'ai peur qu'elle explose. Donc, on va se dépêcher. Comment ça, c'était pas là-haut en fait? Bon, de toute façon, il vaut mieux être en haut qu'en bas. Plus en haut que plus en bas. Ah, c'est cool, il y a les. C'est pas banal pur ça? C'est pas banal pur. Hein. Oh. T'es gentil toi? Toi, t'es en vert, alors t'es gentil. Est-ce que je peux te recruter? Appeler mercenaire. Bon. On va d'abord se rendre là, visiblement. Ajay, salut copain. Te voir. On est prêt pour ces fumiers. Prends des mines ou va sur la tourelle. Ils vont morfler. Des mines. Les chasseurs sont des unités silencieuses et redoutables qui communiquent entre elles en sifflant. Ils peuvent repérer derrière la végétation. Des enculés. Vous pouvez marquer des chasseurs pendant quelques secondes, seulement après quoi... Ils peuvent charmer les prédateurs. Sérieux? Pour ceux-ci attaquer à leur place, tuez-les pour faire disparaître le charme. Ok. Ok, donc je pense que ça va être tendu là. Poser une mine. Comment ça poser? Déjà, dit comme ça, c'est vachement tendancieux. Genre. Bon. Mais poser une mine. Genre. Ouais, on va la poser là quoi. RT. J'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû faire ça. Je crois que ça a pété. Ça a pété, hein. Ça a pas pété, ça va. Oh, il y a une herbe verte là. Non. C'est quoi ça? D'accord. Ah oui, d'accord. Alors, genre, c'est des ninjas quoi. C'est des ninjas.
Alors moi je vais me poster là. Oh. Allez voilà. Allez, eh, mais dépêche-toi putain, y'a la guerre derrière toi. Ils viennent d'où? Ils viennent de là. Alors je sais pas. Oh con, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Je sais pas si j'ai l'arme adéquate. Dans le sens où ils sont loin. Voilà, toi t'es mort. Toi j'ai pas réussi à te toucher. On va se cacher là. Bien, oh très belle texture. Toi t'es un copain. Toi par contre t'es pas un copain. T'es pas un copain. C'est bon, ils sont morts. Ah. Voilà. Je vais me mettre là juste. Voilà, histoire de dire que. Ah, mais tire. Ah, j'ai zéro munitions. Ah, j'ai zéro munition. Ah d'accord. Ah d'accord. D'accord. Mais je fais quoi moi maintenant? Parce que c'est bien gentil. Je peux pas prendre ça, d'accord. Enfin si, mais je sais pas. Des munitions. Bon bah j'ai pas beaucoup de munitions. Ils sont où? Lui c'est un copain. Oui bah oui bah t'es gentil, avancez, avancez. Un, ils sont en aplomb, en amont. En aplomb. Peut-être en aplomb aussi, remarque. Ok, alors j'ai tiré à côté. Oh dans la tête. Ça c'était beau. Oh oh oh. Voilà. Oui je prends mon temps. Je suis le genre de mec qui prend son temps. Comment ça, bordel, va te faire foutre. Tiens, grenade. Oh, 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 c'est moi, je plaisantais, putain. Mais la flèche. Ils sont où? Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je... Ah, ça a pété, ça a tué, je crois. C'est bon. Comment ça, échec, trop de rebelles sont morts. Eh, mais, eh, il y avait pas écrit, aide les rebelles. Enfin si, les rebelles, mais il n'y a pas écrit sauve les rebelles, enfin, ou empêche les rebelles de se faire buter comme des cons. Sinon j'aurais dit, allez, viens on se casse quoi. Non? Bon. Ok. Alors, des chasseurs sont... Mais je sais pas comment marquer les chasseurs, et je vois pas l'intérêt. Surtout, ouais, surtout je vois pas l'intérêt. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... C'est quoi ça? Ah d'accord, à moi chercher des munitions. On va prendre... la mine et on va la mettre bah là vu qu'ils sont ils étaient de ce côté. Poser mine, hop. J'aurais pu la poser à l'endroit quand même mec. Et on va se casser. Ah on va prendre ça. Enfin, on va prendre ça. Ok c'est pas mal. Parlez pas tous en même temps putain, je vous entends pas. Bon ils sont où? Ah ok ils viennent pas encore, c'est bon ils viennent là. Ah ok d'accord. Ah mais dégage, si t'es avec moi dégage. Ah très mature. Bah ne tirez pas sur vos alliés. Ah ça c'est cool. D'accord, je ne vois plus personne. Je ne vois plus personne. S'il vous plaît déportez-vous. Déportez, ok putain. C'est pour ça que quoi? T'es mort. T'es pas vraiment mort en fait. Hein. Aïe. Alors aïe. Bah oui bah attention. Attention au sud. Ah je croyais avoir vu quelqu'un. Hop là dans le cœur. T'es pas dans le cœur mais. Y a quelqu'un qui me tire dessus. Humour. Tout le monde me tire dessus. Mais ça me tire dessus par là-bas. Aïe. Putain, mais laissez-moi. Je veux juste disperser les cendres de ma mère. Allez, 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 putain, allez, bouge-toi de prendre ça, bouge-toi. Merci. Je suis pas en feu. Ok, je suis en feu, 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 je suis en feu. On va refaire la... Ah oui, mais ils se font tuer en plus, c'est con. Bah, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pardon.
putain, tu vas te faire tuer. Encore, aïe aïe aïe, putain, mais. Ah, d'accord, vous êtes des. Oh putain, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, on se fait massacrer, on se fait massacrer, on se fait massacrer. C'est bon, on est safe là. J'aurais pu me soigner en même temps que je courais, mais je suis un homme qui ne sait pas faire deux choses en même temps dans un jeu vidéo. Allez. Non, mais cours pas si vite. On en a déjà parlé. Je suis mauvais tireur dans Far Cry, mauvais conducteur dans Far Cry et mauvais joueur dans Far Cry. C'est bon ? Allez, on va monter doucement. On va essayer de pas se faire emmerder. Ce qui va être un exploit en soi vu que ça n'arrête pas. J'ai plus de munitions. Oh, alors ça, c'est vraiment mesque. Aïe. Déjà, aïe. Putain, mais ils font mal avec leurs flèches. Ils font plus mal avec leurs flèches que les autres me faisaient mal avec leurs balles, quoi. C'est un monde. Ils sont où? Where's the or? Ok. Ici, il n'y a personne. Je crois qu'ils... Ils sont par là-bas, les enfoirés. Oui, je me soigne, hein, parce que bon, si vous n'êtes pas quoi de vous soigner vous-même, laissez-moi au moins moi me soigner de manière personnelle. Voilà, toi t'es mort. Il y en a un autre. Oh putain. Ça balle, j'ai sauvé le camp. Ok, mon frère. Ok. Rejoins cool. L'autre camp et vois ce que tu peux faire. Comment ça, l'autre camp? On n'avait pas parlé d'autre camp. Moi, la dernière fois qu'on m'a dit, tu m'as dit, ouais, tu vas au camp normal et bah, tu pourras te débrouiller là-bas. Ils sont cool, la famille. Et là, du coup, je me sens un petit peu baisé, quoi. Voilà. Je suis en train de dire que j'étais genre. Oh putain! Ah, cut! Ah, cut! Mais qu'est-ce que je suis. Mais tue-le. Oh putain, mais je suis mort comme une merde. Ah, je suis pas mort. Oh oui, ça ne saurait pas. Tu t'es enlevé une putain d'écharde. Il s'est enlevé une putain d'écharde alors qu'il y a un putain de loup qui l'a bouffé. Ah d'accord, c'est ce genre de mec. C'est ce genre de mec hallucinant. Sans déconner quoi. Le cobra de mes couilles. Le loup, déjà, voilà, tu vas te calmer tout de suite. Je suis pas ton pote. Oh non, mais me faites pas mourir maintenant. C'est trop bête. Et il est dur quand même ce jeu. Au début, je disais oui, tranquille, Far Cry, les mains dans les poches. Ça balle, j'ai sauvé le camp. Ok, mon frère. Ah, d'accord, ok. Rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux faire. Ah, oui, je vais essayer. Dépouille. Non, d'accord. Non, alors toi, négatif. Putain, mais je te mis. Oh, putain, il me casse les couilles ce cobra. Oh yo. Oh merde. It didn't what I expecting for this moment. Putain, mais je me suis fait buter par les putains d'animaux quoi. Et après on m'engueule quand je tue un animal. Enfin pas en vrai bien sûr, hein. pas de mésentente. Putain, comment ça s'appelle cette société qui a attaqué Minecraft il y a pas longtemps parce que blablabla. Ça va, j'ai sauvé le camp. Ok mon frère, ah bon. Rejoins l'autre camp et vois ce que tu peux faire. Oh. Ta gueule, on va essayer de pas se faire choper par ce connard de cobra. Parce que le cobra m'a vraiment pété les... Voilà. D'accord, bah je voulais pas te tuer. Putain, mais meurs. Putain, je suis d'accord que j'arrive pas à viser la tête de manière absolue et générale. Mais quand même, genre 3 balles dans le corps, je pense que. Voilà. On recharge. J'ai fait quoi? Non, ça va. Recharge. Je rêve où elle a dit montre-moi comment tu saignes, sale pute. C'est violent. C'est assez violent Qui c'est qui me fait waouh là? Ok, on va prendre le chemin, je voulais passer. On va prendre le chemin. Oh dommage. Ok. Évidemment, il a pas rechargé.
Alors soigne-toi s'il te plaît. Oh 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 oh, on me court après. Mais cours. Alors ça risque pas déjà. Il en reste un. C'est quoi qui me court après? Voilà. Bah, il est la mise. Il va te faire foutre, putain. Combien il me reste? Il me reste 15 balles, putain. Qui c'est qui vient de me faire super mal? Je suis encore mort. Et alors, si je vous dis que je comprends pas ce que je dois... Enfin, si je dois aller sauver le village, jusqu'à là, c'est... Voilà. Mais je comprends pas du tout comment les choses doivent s'organiser. Qu'est-ce que je fous, là? Ils m'ont donné combien de balles, là, pour le coup? On va la jouer discrète. On va prendre ça, on va fouiller. Ah! Heureusement qu'il avait du savon parce que je pense que j'aurais pas pu gérer bande dessinée. D'accord. Alors éliminer les soldats. Ce qui est con, c'est que. J'ai tiré dans la gorge. Il m'a sauté dessus. Il m'a fait un genre. Waouh. Il y a quelqu'un qui me tire. Ah les petits cons. Les petits cons. Ah, à cet âge là c'est waouh, c'est juste trop mignon. Non mais je voulais juste me soigner moi. Je m'en fous en cas de... Oh putain le grizzly. Oh putain le grizzly. La faune est beaucoup trop méchante avec moi. Ah mais ils sont beaucoup trop chiants avec moi. Putain, j'ai fait que mourir aujourd'hui. Mourir et faire des échecs de mission, quoi. On va y aller de manière plus discrète. À qui je vais faire croire ça? Alors, maintenant que je sais qu'ils sont là-haut, c'est con. Je vais voir si je peux pas... passer là-haut et les buter de manière illégitime. Et visiblement... Oh, c'est mauvais. Hop là, ça c'est fait. Non, je vais pas saigner. Soigner. Il y a un truc qui me fonce dessus, j'ai peur. Mais qu'est-ce que... D'accord, oh, c'était toi. Ah, je pensais que c'était le grizzly, moi. C'est pour ça que j'étais en stress. Oui, si je me soigne pas. Ah putain, en plus, je suis en train de me battre avec un moustique et pas dans le jeu. Encore me soigner? D'accord. Alors, là-bas il y en a un. Hop là. Je suis en train de me faire poursuivre par je sais pas quoi et j'ose pas me tourner. Ce jeu me fait peur. Alors, j'aimerais bien qu'il m'indique quand même la position des ennemis. Je sais, c'est des ninjas, je sais, machin. Ah voilà. D'abord. Toi t'es mort. Ok, en fait ici on a une belle vue quand même. Enfin une vue globale, c'est ce que je veux dire. Attends, excuse-moi, juste je me soigne et je te tue. Attends, 30 secondes, bouge pas. C'est bon? Merci. Ça y est? Ah! Ah! Merveilleux. Merci. Je reviens juste... C'est fait. Faire péter le champagne. Les gens qui cherchaient Amita ne sont pas ici. C'est pas grave mon frère. Tu as sauvé des vies. C'est l'important. Tu es le fils de Mohan. Il serait fier de toi. J'espère bien, putain. Ok, bon. L'épisode aura duré beaucoup plus longtemps. Il y a le grizzly. Lève-toi, putain, il y a le grizzly. Il est où? Je l'entends. Saute, monte, grimpe, fais quelque chose. Do something. Ah, t'es là. Un copain. Les otages et saute. Il me fait peur. Tu me cours pas après. Hein. Oh non, s'il te plaît, quoi. Oh non, quoi. Ah, je sais.
On m'a dit oui, libère les otages, ils seront gentils. Pas les otages. Oh putain, je trouve le moyen de me brûler. Soit. Voilà, là il pourra pas me choper. Sale con. Je sais pas où il est. Il est là-bas. Bon, on va le laisser tranquille. Bref, les amis, on va se laisser ici, nous aussi. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui est un peu plus long. Putain, 35 minutes, je le vois d'ici. Vous aura plu. J'ai bien aimé mourir toutes les 5 minutes, j'avoue. C'était un moment particulièrement heureux de cet épisode. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo. C'était dur. Vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis, allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.